pêcheurs de Rumélie Fenéry ont une explication à tout leur malheur, la mafia. Elle s'intéresserait à cette pêche et voudrait aujourd'hui sa part du gâteau. Mieux, certains milieux compteraient s'accaparer tout le marché du turbot et éliminer les Turcs, concurrents gênants. Maintenant, la mafia intervient. C'est pour ça que tout s'est embrouillé. La mafia a senti que cette affaire était juteuse et elle passe des accords avec des pêcheurs du coin. Elle a même acheté 3 bateaux ici. Quand on part là-bas et qu'on rapporte beaucoup de turbos, évidemment les cours baissent. Pour empêcher ça, la mafia paye les gardes-côtes et leur dit « rendez-vous utile ». Certains pêcheurs turcs ont compris avant les autres que le vent avait tourné. Ils ont traversé la mer Noire et se sont installés ici en Ukraine. Un pêcheur de Rumélie Fenéry s'est associé il y a quelques années avec un de ces nouveaux riches ukrainiens qui règnent sur le monde des affaires. Il lui a vendu 3 bateaux et se charge de former les équipages. Le pêcheur turc n'a pas souhaité nous rencontrer, mais son associé ukrainien Vyacheslav a bien voulu nous présenter sa nouvelle activité et ses bateaux ancrés à Evpatoria, en Crimée. Les meilleurs spécialistes du turbo dans la mer Noire, ce sont les Turcs. Il n'y a aucun doute. Ils ont la meilleure technologie. C'est pour ça que je travaille ici avec eux. Quand la saison débutera, mes bateaux seront prêts à prendre la mer. Ils vont travailler 5 mois sans relâche. Ils reviendront juste pour décharger les turbos et ils repartiront. Bien sûr, les pêcheurs qui viennent de Turquie gâchent le travail. Ils font baisser les prix, mais on en voit peu cette année. Vyacheslav a de l'ambition. Il a racheté une usine de poissons abandonnés. Il nous parle des tonnes de turbos qu'il compte expédier vers la Turquie et l'Europe. Rêve de mégalo ? Il a l'air, en tout cas, bien sûr de lui. Quand l'usine fonctionnera, j'aurai 600 ou 700 employés. Tout ça, c'est bon pour l'État. C'est bon pour moi aussi. Je me donne 4 ans pour faire aboutir ce projet. Nous avons commencé seulement il y a 1 an. Mais je suis sûr de ma réussite, à 100%. Depuis des années, les autorités turques tentent en vain de trouver un accord avec l'Ukraine. Elles proposent l'octroi de droits de pêche, de quotas, un partage plus équitable des zones économiques. Les négociations s'éternisent et l'ambassadeur de Turquie à Kiev se pose aujourd'hui des questions. Une des raisons pour lesquelles le processus d'un accord avance si lentement, c'est peut-être l'existence de certains milieux qui estiment que leurs intérêts seraient lésés s'il existait un cadre juridique. D'après moi, ces milieux veulent faire des profits à court terme, mais à long terme, cette situation peut porter préjudice aux intérêts de nos deux pays. Rumélie Fenéry n'a pas bonne presse en Turquie. Les journaux critiquent régulièrement le village des braconniers et proclament que leurs ennuis, les pêcheurs les ont bien cherchés. Des pêcheurs découragés depuis le dernier incident en date, survenu en mai dernier. Le capitaine Ibrahim se demande encore comment il a pu en réchapper. Voilà les impacts de balles. Certaines ont ricoché et sont entrées par derrière, par là.
Là, ce sont des balles plus petites, des balles de mitraillette. Là-haut, toutes les vitres sont cassées. Il y en a aussi, ici, sur les côtés. Ils voulaient nous tuer. C'est vraiment la guerre. Quand ils ont commencé à nous mitrailler, tout le monde s'est couché sur le pont, les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. Cette mer est à tout le monde. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des criminels. Pourquoi sommes-nous devenus des criminels depuis quelques années? C'est toujours la même mer, alors pourquoi? Le gouvernement veut se débarrasser de nous. Il dit que tout ça, c'est de notre faute. Pendant ce temps, les gardes-côtes continuent de filmer. Ce jour-là, sur la base de Balaklava, ils accueillent des journalistes ukrainiens. Des journalistes qui ont relayé leurs exploits face aux braconniers et les ont propulsés au rang de héros de la nation. Ils ont droit à présent à une démonstration. Des élus locaux participent à ce voyage de presse et n'hésitent pas à montrer l'exemple. Le message est clair, pas de pitié pour les braconniers. Le village de Rumeli-Feneri est pris dans une nasse, cerné de toutes parts. La Bulgarie et la Roumanie ont suivi l'exemple de l'Ukraine. Les incidents en mer se multiplient. Ils se comptent par dizaines. 20 bateaux de turbo ont été saisis ces derniers mois par les gardes-côtes bulgares et roumains. Le capitaine du Denis et ses 15 hommes d'équipage arpentent encore de temps à autre la côte turque. Pendant plus de 12 heures, ils vont relever 300 filets. Leur butin est bien maigre, 12 turbos seulement. Les pêcheurs turcs ont perdu leur territoire, leur précieux trésor, la route des ancêtres est définitivement coupée.